Salut tout le monde, c'est Mathieu37 et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle vidéo! Oh, c'est exceptionnel. Oui, parce que normalement les vidéos je les mets pas. Normalement je les mets pas. Je les mets que pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de faire une nouvelle vidéo. Tout simplement, tout con. Alors, ce sera. La vue d'un tueur, épisode de. Je sais plus combien. Je regarde même plus mes vidéos, c'est exceptionnel. Bon, alors. Revenons au fait. Des séries qui. Voilà, quelques séries qui vont arriver pendant les grandes vacances, parce que là, je peux pas tourner. Sinon je dois tourner, mais que si j'allais dormir chez mon cousin ou autre chose. Eh bien, en fait, je sais même pas pourquoi je dis en fait. Revenons aux séries en cours. Alors, les séries en cours, enfin, il n'y a pas réellement de séries en cours, à part une vidéo que vous n'avez pas vu, alors j'ai regardé aucune vue, alors c'est exceptionnel. Hein. Non, je rigole. Mais alors, j'ai commencé une série Minecraft avec mon cousin. J'ai tourné que deux vidéos parce qu'on n'avait pas réellement le temps de tourner pendant les vacances. On avait d'autres problèmes et tout. Et voilà quoi. Mais j'ai essayé sur mon portable, voir si je trouve une application. Une application pour. Pour filmer directement sur le téléphone, comme ça je pourrais vous filmer quelques jeux que je fais avec mon cousin, parce que sur le téléphone j'en fais, il y a quelques jeux que je joue avec mon cousin, genre Tai Chi Panda, vous connaissez peut-être pas, mais il est très bien le jeu. Bon, désolé si vous entendez des grincements, c'est ma chaise roulante, non, je... mais franchement c'est ma chaise qui est merdique, qui est vieille maintenant, non, je... non mais elle grince parce qu'elle est cassée. Voilà. Bon, sinon, alors, désolé pour les qualités des vidéos, j'ai pas trouvé de caméra pour l'instant. Enfin, je peux pas acheter de caméra pour l'instant, j'ai pas les moyens. Je suis capable, tu m'as fait. Non, je... alors cette vidéo, j'espère que je vais pas la faire trop longue non plus, hein, une vidéo pas trop longue, parce que si je fais une vidéo de 45 minutes juste pour une annonce, enfin une annonce, pour faire le point de la chaîne, ça va pas trop le faire. Bon, sinon, alors une nouvelle série Minecraft que j'ai tournée avec mon cousin de vidéos, que de vidéos. Je suis désolé, mais c'est comme ça la vie, hein. On peut pas tout avoir. Mais j'espère que je pourrai tourner d'autres vidéos, genre je ferai quelques cascades avec mon cousin. Pas comme cascade sur Matelas, ce sera tout différent. Si vous connaissez les Yamakasi, on fera du Yamakasi, voilà. Si vous connaissez pas, eh bien, je vous conseille de regarder le film, le premier. Avant, il était gratuit sur YouTube. Je sais plus s'il est gratuit encore. Mais faudra voir. S'il est payant, bah, tant pis, hein. Mais sinon, le film Yamakasi, c'est un super film. Alors, je vous conseille vraiment de le regarder. Ou de regarder des vidéos sur des gens qui font du Yamakasi parce que c'est trop génial. Sinon, j'avais prévu de lancer un let's play d'un jeu qui s'appelle Batman Arkham City. Alors, un jeu qui a. J'ai pas vu beaucoup de gens qui ont fait de let's play sur ce jeu. Alors, je vais faire un let's play parce que. Pas que. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont fait, je sais pas. Mais par simple envie de tourner, parce que voilà quoi. Parce que pendant les grandes vacances, j'aurai du temps, c'est sûr. Alors je vais vous tourner
un let's play. J'espère que je pourrai vous sortir une vidéo tous les 2 jours. Une vidéo tous les 2 jours par semaine. En gros, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. On ne sait jamais. Ce sera peut-être l'inverse. Ce sera peut-être mardi, etc., etc. Mais genre un let's play pas à 100%, parce que le 100%, je l'ai essayé une fois, je l'ai pas réussi. C'était il y a même pas il y a même pas un an, j'ai joué au jeu, j'ai pas réussi le 100%. Alors du coup je ne ferai pas 100%, je ferai juste l'aventure principale, quelques quêtes secondaires si j'ai le temps, genre une vidéo bonus pour des quêtes secondaires, mais on verra ça en direct. J'arrive plus à respirer avec tout ce que je viens de dire. C'est chaud patate. Bon. Sinon, un autre let's play que je voulais lancer, mais je sais pas, je crois que je vais abandonner l'idée. C'était de Assassin's Creed 3, parce que je l'ai sur ma PS3. J'avais fait une vidéo présentation de mes jeux. Dedans, il y avait Assassin's Creed 3. Du coup, je sais pas si je voulais vous le faire en let's play, mais je crois pas. Alors, si vous voulez que je le fasse en let's play, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera du vote, voilà. Moi, je vote ni l'un ni l'autre. Hein. C'est à vous de décider si vous voulez que je fasse du Assassin's Creed 3 en let's play ou pas. Mais par contre, un truc qui sera sûr, c'est que je ferai quelques vidéos bonus de Assassin's Creed 3, enfin bonus entre guillemets, une vidéo détente sur le jeu, genre pour faire du online, parce que le online, je l'aime pas trop, mais c'est pour vous montrer l'idée. Si vous avez jamais vu de online, ça pourra peut-être vous mettre des idées, genre peut-être vouloir y jouer, je sais pas. Mais moi, j'aime pas trop le principe du online, parce que voilà, c'est chiant quoi. C'est assez chaud à manier, surtout qu'on je croyais que moi j'avais vu online, alors du coup j'avais appuyé sur 3, parce que moi j'ai la PS3. Et je croyais qu'on pouvait se balader n'importe où, mais non, c'est pas du tout ça. Faut tuer des gens et faut pas se faire tuer par d'autres gens. C'est vraiment que un peu de la merde. Pour moi, je trouve que c'est merdique. Alors désolé pour ce spoil, mais de toute façon, un jour ou l'autre, j'allais vous spoil. De toute façon, si je fais une vidéo dessus, je vous spoil. Alors, de toute façon, tôt ou tard, vaut mieux tôt que jamais, quoi. Bon, après, je vais peut-être faire un let's play sur GTA V, parce que j'aime vraiment beaucoup le jeu. J'ai pas trop joué online, mais beaucoup joué à l'aventure. Je vais vous faire un let's play si vous voulez, comme ça, enfin, c'est pas si vous voulez, normalement c'est sûr et certain, je vais vous faire un let's play dessus, mais faut voir si j'ai le temps de tourner pour faire le let's play. Je tournerai peut-être au début des vacances 3 vidéos, un autre jour, on verra bien, de toute façon. Normalement, c'est sûr que je fais un let's play de GTA V. Voilà, un truc qui est sûr et certain. La série Minecraft avec mon cousin, que là je peux plus tourner, puisque là j'ai plus mes manettes, hein, j'ai les mains vides. Vides. Voilà, vides. Même pas de magie qui sort, vous voyez? Pas de magie. Dommage. Ça aurait été bien. J'ai des sorts. Manette. Oh, ça marche pas. Dommage, ça aurait été bien. Bon. Alors, j'ai tourné que 2 vidéos. Alors, j'en ai déjà publié une. L'épisode 1.
une série que moi et mon cousin, on a pris un. Les deux vidéos, on a pris un plaisir à les tourner. Franchement. Mais normalement, en fait, l'épisode 1 et l'épisode 2, normalement. L'épisode 2, j'ai pas pu l'oublier, mais encore. Mais genre, l'épisode 1 et l'épisode 2, normalement, ils devraient former qu'un. Mais en fait, comme j'ai eu un gros souci avec mon téléphone, en fait, il a pas supporté de voir autant de mémoire en vidéo. Et du coup, il a arrêté instantanément de tourner. Du coup, j'ai dû refaire une autre vidéo. Et du coup, voilà quoi. Ça a fait 2 épisodes. Du coup, j'ai dit, je vais pas les regrouper. Vaut mieux les laisser comme c'est quoi. Sinon, je réfléchis à ce que. Est-ce que je pourrais faire? Oui, alors. Moi et mon cousin, moi tout seul, j'ai créé une map FK sur Minecraft, sur PS3. J'ai créé ma map moi-même, ma propre map FK. Je vous la montrerai dans une vidéo. Je vous la montrerai pendant les grandes vacances parce que je peux pas tourner. Je peux pas tourner de vidéo sur la Play, dommage. Bon, sinon. Je disais quoi encore? Je disais quoi? Ouais. Ma map FK, je vous la présenterai dans une petite vidéo. Pour voir dans les bases et tout. Après, si mon cousin est d'accord, je vous ferai une petite série dessus. Une petite série FK, ça, c'est pas mal quand même. Après, c'est lui qui veut. Mais après, on est que deux. Alors, la map, j'ai décidé en 2v2. En 3v3. Ou en 4v4. 1v1, c'est vraiment c'est vraiment pas bien quoi. Alors vaut mieux pas faire du solo quoi. Là, il y a moi et mon cousin, on sera bien évidemment dans la même équipe, on parlera par Skype, tout ira bien, ne vous inquiétez pas, on parlera par Skype et les autres peut-être par micro ou par Skype aussi, on sait jamais. Mais sinon, nous on parlera par Skype. Donc voilà. Alors si vous voulez participer à la map FK, il n'y a pas du tout de souci. Vous avez juste à m'envoyer dans les commentaires votre pseudo PS3. Je vous ajoute en ami et on pourra faire le FK. Mais en ce moment, je pourrais pas. Il faudra juste qu'on trouve. Il faut juste trouver 2 personnes. Et faut attendre les grandes vacances et on pourra. Commencer la série. Alors moi et mon cousin, enfin oui, moi et mon cousin, on avait l'idée de créer une map Hunger Game. Alors qui risque de ne pas être du tout de la tarte parce que les maps Hunger Game c'est très chaud à faire. Les maps Hunger Game c'est très gros, faut beaucoup d'improvisation, donc ça va nous prendre beaucoup de temps pour la faire. Alors, du coup, ça va être long, mais quand on aura fini de la créer, la map, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo. Peut-être mon cousin aussi, de son côté, il mettra peut-être sur ma chaîne, ou je mettrai peut-être sur ma chaîne, et on verra. On verra. Après, j'ai créé ma. Pro je suis en train de créer une map aventure. Vous connaissez le principe des maps aventures. Faut soit survivre à des trucs, soit faire des jumps, soit résoudre des énigmes. Il y a plein de trucs à faire. Franchement, c'est grandiose. Et surtout ce que mon frère m'a beaucoup aidé, alors je le remercie. Il m'a beaucoup aidé pour cette map. Il a presque. Ben, moi, j'avais fait. Des jumps et lui il avait fait quelques arènes et
Voilà quoi. En fait, voilà quoi. Je vous ferai ça en vidéo, ce qu'on a fait pour l'instant. Après, faudra voir ce qui va pas. Ce qui va pas, on supprimera. Ce qui va, on laissera. Ce qui manque, on rajoutera, bien évidemment. Bien sûr, moi, je vais rajouter un The Truc pour la map. The Truc. Je vais vous spoil, parce que je suis gentil. Non, pas dans cette vidéo. Je vais vous spoil. On va faire un sondage dans les commentaires. Dites-moi. Likez la vidéo. Si vous voulez. Non, je déconne, je déconne, je déconne. On va faire un sondage dans les commentaires. Dans les commentaires, vous allez me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo. Une vidéo présentation. Genre une vidéo présentation de. Je sais pas, ça peut être de n'importe quoi, de quel jeu. Et un autre sondage pour dire. Pour dire si vous voulez que je vous spoil dans une prochaine vidéo comme ça, la vue d'un tueur. Si vous voulez que je vous spoil à peu près ce que je veux faire. Alors je pense à un truc. J'espère que ça vous plaira. Et je vais pas vous spoil. Je vais pas vous spoil. Je vous ai juste spoilé qu'il y aura des arènes et un jump. Et des jumps. J'ai pas dit 1 ou 2 ou 3 ou 10 000 arènes et jump. J'ai juste dit qu'il y aurait des jumps et des arènes. Et je vous dis juste qu'il y aura des boss. Voilà. Alors, sinon, on fera du Yamakasi, moi et mon cousin, très bientôt. Normalement, ce week-end, on tournera. Normalement, j'y viens parce que. Faut que je trouve le temps. Il faut qu'on trouve le temps pour faire du Yamakasi. Si on arrive à faire du Yamakasi, eh bien on filmera. Je filmerai. J'avais déjà filmé une vidéo, mais en fait la vidéo elle a crash 3 fois. Du coup j'ai arrêté. Mais ce week-end j'essaierai de tourner une vidéo Yamakasi pour vous. Et voilà. Alors, je me suis enfin installé Twitter. Alléluia! Twitter sur mon téléphone. Ah, si vous voulez m'ajouter, je mettrai dans la description de la vidéo. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Hein. Je vais vous le dire juste mon nom sur Twitter là, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas entendu. Vous pouvez soit remettre, soit regardez dans la description. De toute façon, je vais vous le dire, c'est Mathieu57. Voilà, c'est aussi simple que con, quoi. Voilà, quoi. Bon. Sinon, sur la PS3, je crois pas que je ferai d'autres séries. Faut que je voie les jeux, alors. Qui risque de ne pas être très simple de trouver les jeux. Voilà quoi. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une courte ellipse pour voir les jeux que je peux vous faire ou pas. A tout de suite. Re les gens. Alors, désolé pour cette courte ellipse, j'avais pas le choix, mais j'ai pris les jeux. Qui m'intéresse. Alors le premier jeu qui m'intéresse le plus, un jeu que normalement presque tout le monde connaît, celui-ci, Uncharted 3. Alors Uncharted 3, je vais peut-être vous le faire en let's play, voilà, parce que Uncharted 3 c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, parce que j'avais joué très peu, mais qui m'a beaucoup plu. Alors, je vais peut-être vous le faire en let's play. Je vous ferai en let's play. Je vous ferai aussi peut-être
de la survie, en gros. On est deux contre des vagues de monstres, voilà, des vagues d'ennemis, voilà quoi. Alors, Uncharted 3, sondage, un autre sondage. Veuillez me dire si vous voulez que je vous fasse un let's play ce jeu. Voilà. Uncharted. Alors, un autre jeu. Celui-ci. Alors, celui-ci, je vais pas vous le faire en let's play, mais je vous ferai quelques vidéos bonus dessus. Quelques vidéos bonus. Parce que, enfin, bonus, je dis toujours bonus, mais des vidéos détentes, voilà. Ce sera des vidéos détentes sur ce jeu, parce que ce jeu, il est extraordinaire. C'est un SmackDown, voilà. Vous connaissez, c'est WWE. Du catch, quoi. Alors, c'est un très bon jeu. Alors, j'ai que celui de 2010. Voilà, 2010, écrit édition 2010, vous voyez bien. J'espère que oui, voilà. Alors, c'est édition 2010. Parce que j'avais pas. Je pouvais pas acheter les autres versions. 2000, 2011, 2012, 2013, 2014. Et 2015, je crois pas qu'ils ont fait déjà. Hein. Mais ce jeu, il m'a beaucoup plu parce qu'on peut créer son propre catcheur. Et du coup, moi et mon cousin, on s'est amusé à personnaliser nos persos. Et ils sont devenus super cheatés de la mort. Je vous ferai des vidéos détente avec mon cousin dessus. Mais excellent jeu, franchement, excellent jeu. Alors, peut-être que je vous ferai des vidéos chez mon cousin, genre Minecraft, Call of, je sais pas. Mais Call of, je vous ferai sans doute beaucoup de vidéos dessus, parce que c'est l'un de mes jeux préférés. C'est l'un de mes jeux préférés avec GTA et SmackDown. Mais SmackDown, j'y joue que avec mon cousin, j'y joue vraiment que avec mon cousin. Et avec mon frère, sinon j'y joue jamais. Voilà quoi. Deuxième jeu. Sondage, enfin le SmackDown, c'est sûr je vous ferai des vidéos détente, mais le let's play faut voir si j'ai le temps. Et le dernier jeu sans doute the meilleur des jeux, l'un de mes potes connaît ce jeu, qu'il adore justement, Battlefield 4. Alors Battlefield 4, ce jeu est exceptionnel. Moi, je suis un très gros geeker, on va dire, geeker de Call of Duty. Mais Battlefield 4, j'ai presque pas joué. Mais il est formidable, ce jeu. Il est formidable. Il est formidable. Alors, celui-là, en let's play, et j'ai jamais joué à l'aventure. Je vous promets, j'ai jamais joué à l'aventure. Alors, ce sera de la pure découverte si je vous fais en let's play. Mais genre, je vous ferai des vidéos détente sur du online. Par contre, je vous préviens, si je vous fais des vidéos détente sur du online, ce sera pas vidéo détente, hein, ce sera plutôt vidéo rage. Parce que moi, à Battlefield 4, je suis une grosse merde. Hein. Alors Battlefield 4, un très bon jeu, franchement, bien aimé, très, même extrêmement bien aimé, parce que voilà quoi, il est exceptionnel. Franchement, si vous l'avez pas sur Xbox ou sur PS3, et ben je vous conseille de l'acheter parce qu'il est formidable ce jeu. Battlefield 3, j'y avais joué chez mon pote. Il est très bien aussi. Battlefield 4, alors je vous le conseille aussi. Je l'ai pas encore, mais je vais peut-être me l'acheter au fil du temps. Mais j'espère que je pourrai vous le faire en let's play parce que ce jeu est formidable. Il est formidable ce jeu. Et je crois qu'on va s'arrêter là, les gens, pour cette big vidéo, big point sur la chaîne. Alors, je vais vous récapituler à peu près. Voilà, j'ai fait une map Fallen Kingdom. Je vais peut-être vous la faire en série Minecraft. Il y a une série Minecraft qui a démarré. J'ai publié une vidéo il y a très très peu de temps, hier soir, voilà. Je vais peut-être faire un Hunger Game, mais ça faudra du temps pour perfectionner tout. Je vais vous présenter ma map aventure.
Je vais vous faire un let's play sur Batman Arkham City, quelques vidéos détente sur Assassin's Creed 3, sondage pour deux jeux. Deux. Oui, deux jeux. Si vous voulez que Uncharted 3 et Assassin's Creed 3, que je vous le fasse en let's play, alors n'hésitez pas à me le dire. On va faire un sondage et voilà quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse du Uncharted 3 et du Assassin's Creed 3 en let's play sondage, voilà. Je vais pas y rester 2 minutes pour un sondage. Battlefield 3, je m'embrouille maintenant. Battlefield 4 que je vous ferai peut-être en let's play, faut que je juste que je trouve le temps. GTA 5 peut-être let's play aussi. La série Minecraft, je l'ai déjà dit. Vidéo détente sur Uncharted 3, Battlefield 4 et SmackDown. Des vidéos de Call of, toujours détente. Pas de let's play parce que l'aventure j'avais fini pas à 100%, à 80, 89, un truc du genre l'aventure. Sur Call of MW3, mais. Sinon, tous les autres Call of, je vous ferai une petite vidéo. Une petite vidéo qui. Voilà quoi. Une petite vidéo découverte. Enfin, découverte pour vous, parce que moi, tous les Call of, je les ai testés, ceux que j'ai achetés, mais sinon. Sans plus quoi. Il y a juste Advanced Warfare que je n'ai pas trop aimé, sinon, tous les autres, je les ai aimés. Voilà quoi. Et sinon, c'est tout. Minecraft, GTA 5. Alors, GTA 4, que j'avais joué beaucoup. Que j'avais beaucoup joué quand je pouvais pas jouer à GTA 5. Qui m'avait beaucoup plu. Mais là, il me plaît un peu moins parce que GTA 5, c'est de la très. De la haute qualité. Et que GTA 4, c'était même pas de la HD avant. Mais GTA 4, je vous ferai peut-être une vidéo découverte pour vous. Une vidéo du online. Comme ça, voilà quoi. Vous verrez à ce que je jouais auparavant. Si vous connaissez pas GTA 4, vous découvrirez à ma compagnie. Vous verrez à la grosse merde que je jouais et que j'adorais avant. Vous verrez. Bon, sinon c'est la fin de cette vidéo, cette big vidéo. À vrai dire, je croyais qu'elle allait durer jusqu'à 10 à 15 minutes, mais elle a duré 27 minutes. C'est incroyable le temps qu'on passe à discuter. Alors bien sûr, je vous ferai comme Squeezie, des question time. Alors, faut juste que vous me posez des questions et voilà quoi. Alors, si vous avez posé des questions dans d'autres vidéos, je vais pas fouiller toutes les vidéos que j'ai fait. Voilà, vous me direz juste. Vous me poserez des questions sur ces vidéos-là. En tout cas, sur celle-là pour l'instant. Vous me poserez sur la vue d'un tueur. Comme ça, j'aurai pas besoin à chaque fois d'aller vérifier sur d'autres vidéos si vous m'avez pas posé de questions pour que j'y réponde et tout. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire un sondage à propos des deux jeux que je vous ai dit. N'hésitez pas à m'ajouter Skype si vous voulez. Skype c'est Mature57. Tout comme Twitter c'est Mature57. Voilà. Alors voilà, abonnez-vous à la chaîne, surtout, 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 surtout. Parce qu'il faut que je rattrape mon pote. Si Théo, tu regardes cette vidéo. T'inquiète pas, je vais te tracer. Enfoiré. À l'allure de la comète. Voilà. Voilà, genre, en fait, moi et mon pote, on fait une sorte de course d'abonnés, en fait. On veut avoir le plus d'abonnés possible. Enfin, non. Moi, je considère ça comme une course. Parce que, genre, il avait 10 abonnés. Après moi, et là il en a 16 et que moi j'en ai toujours 10 quoi. Ça me met un peu la honte. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai déjà dit, abonnez-vous.
pour que je rattrape mon pote à... Je rattrape mon pote. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo spéciale 10 abonnés. Elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors j'ai mis du temps parce que j'avais pas trop le moral à tourner. Surtout pendant les vacances qu'on m'a hacké mon compte. Du coup ça m'a un peu attristé. Du coup voilà quoi. C'est triste quoi. Voilà ma vie. J'adore raconter ma vie aux abonnés. Bon, sinon voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ben, bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye.